pour l'Arabie Saoudite et Son Excellence le prince Bad bin Abdullah Al Saoud. Et le second accord entre le gouvernement de la République française et... La crainte et l'objectif est le même, c'est d'empêcher que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Et la France ne souhaite que personne ne se mette en situation de découvrir quelques jours plus tôt. Le JCPOA nous permet normalement un contrôle plus étroit. Et donc le cœur du travail qui est à faire, je le dis pour nous tous, n'est sans doute pas de savoir si la priorité est de supprimer un accord qui est déjà mieux que l'absence de tout, mais peut-être utiliser le temps utile dès maintenant pour faire encore mieux et encadrer l'après. Et voyez bien que c'est, l'objectif reste le même, mais moi je n'ai pas la solution aujourd'hui d'une situation de type nord-coréenne. Et c'est pour ça que je souhaite très profondément que tous ensemble, nous puissions travailler activement dans les semaines et les mois qui viennent avec l'Arabie Saoudite, avec les États-Unis d'Amérique, avec en particulier tous les signataires du JCPOA et l'Iran, pour que toutes les garanties soient données. Mais je ne soutiendrai pas une optique où nous cédons les garanties obtenues contre aucune visibilité. Ils accusent de commettre des crimes de guerre au Yémen. Quelle est votre réponse ? Et Monsieur le Président... Sur le Yémen, depuis le début du conflit, la France a une position claire, qui d'ailleurs l'a conduite dès le début du conflit, à échanger des informations et se tenir aux côtés de l'Arabie Saoudite pour assurer sa sécurité face aux tirs balistiques dont elle faisait l'objet. Et je suis très clair sur ce sujet. Dans cette guerre-là, il est évident que nous ne tolérerons aucune activité balistique qui menace l'Arabie Saoudite et l'intégrité de ses concitoyens. Tout d'abord, au président français, dans quelques heures, il y aura une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU sur la Syrie. كان سؤالكم على مشاركة السعودية في عملية ضد النظام في سوريا بلا شك إذا كان الأمر يستدعي أن نشارك حلفائنا في عملية ضد النظام في سوريا لن نتأخر عن ذلك. بخصوص اليمن وجرائم الحرب أولا أي عمليات تحدث في العالم في كل التاريخ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو السعودية أو غيرها من العمليات بلا شك تحدث هناك أخطاء والأخطاء دائما تحدث السؤال المهم هل هذا الشيء كان متعمد أم لا هل هذا الشيء كان مخطط له أم لا هل هذا الشيء كان بقصد أم بغير قصد هنا تكمن جريمة الحرب لكن دائما نعمل مع أصدقائنا في فرنسا والمتحدة الأمريكية وبريطانيا لمساعدتنا في تطوير آليات التخطيط وآليات الاشتباك لكي نضمن عدم وقوع أي ضحايا مدنيين بقدر بأي شكل من الأشكال أعطيك مثال على ذلك القوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف تبتعد ما يقل شكرا Très bien.